which is not in the way of God. La délivrance d'Israël ne dépendait pas de Israël. Non. Deliverance of Israel. C'était dans le plan de Dieu qu'Israël soit délivré. It was in the plan of God. Dieu a délivré chacun d'entre nous. God has delivered all of us. Dieu veut dire stop à l'ennemi. He just come to say stop to the enemy. Mais il y a encore d'autres pas à franchir. But we have another step. Notre étape de notre vie, c'est la another stage of our life. Après cette délivrance, after this deliverance, il faut rentrer dans la bénédiction. We have to enter in our blessing. Mais bien aimé, le conditionnel. But it's conditional. Oui. Yeah. Elle est conditionnelle. It's conditional. Il faut que ton cœur soit attaché à la parole de Dieu. Your heart has to be tied si to the word of God. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, if you obey to the eternal word, il te donnera la sécurité sur toutes les nations. Amen. You'll be high si over your friends. Si tu rentres à Divo, if you enter Divo, il te met une hauteur. It will give you to a certain position. Tu rentres en France, tu es obligé de réussir. If you enter in France, you have to succeed. Vous savez quand tu es en haut, when you are high, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est everything as troubles sont au-dessus de toi. Are over you. Il te donnera la supériorité. God will give you superiority tout over the nations. Toutes les nations. All the nations. Tu rentres quelque part. C'est de toi qu'on parle. Wherever you enter, people speak about tu rentres quelque part, tu ne choues pas. You cannot fail. Parce que ton cœur a décidé d'appartenir. Because your heart has decided to belong to God. Frère, nous avons prié cette semaine. We have destroyed la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons combattu l'ennemi. We fought the enemies. Amen. Amen. Il faut que nous rentrons dans notre bénédiction. We have to enter in our blessing. Dans la bénédiction, and to enter our blessing, une condition. A condition. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Obey to the word of God. Amen. Amen. Quand on parle d'obéir à la parole de Dieu, about c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. We have to do. Si tu constates que tu es dans quelque chose que if tu you notice that something après cette délivrance, tu es important de quitter là. You have to leave. Change de position. You have to change your position. Il faut que tu changes de position. You have to change your position. That's the way. Il faut que tu changes de position. You have to change your position. Afin que là où tu étais, tu ne glorifies pas Dieu. So that the place where you are. Et que tu quittes cet endroit. You have to leave that place. Si tu es encore dans la prostitution. If you were now in the prostitution. Il faut abandonner la prostitution. You have to give up prostitution. Si tu es encore dans le mensonge. If you were in lying. Il faut abandonner le mensonge. You have to give up lying. Si tu es encore dans la corruption. If you were in corruption. Dans l'adultère. I'm not praying. Dans tout ce qui ne glorifie pas in Dieu, everything with that not glorify God, you have to give up. Parce que tu es venu à Jésus-Christ. Because you have come lié to Jesus. Que tu étais. Tu étais lié quand tu es venu à you Jésus. Were tired when you were coming to Jesus. Et c'est lié faisait que tu étais dans les choses qui ne glorifient pas you Dieu. Were in the things. Alors Dieu venait te délivrer, bien-aimé, de la maison de Pharaon. My beloved God has, de la maison de Pharaon. Ce qui ne peut pas avancer. Voilà que tu es délivré. La condition pour rentrer dans la bénédiction. The courage so that you can enter. Parce que ton cœur s'attache à la parole de Dieu. Your heart has been to be tied to the word of God. Ton cœur, your heart, doit s'attacher à la parole. Must be tied to the word of God. Quand le cœur d'une personne attaché à la parole de Dieu. When your heart is tied to the word of God. Et cherche à faire la volonté de Dieu. And try to do God's will. Dieu obligé de bénir cette personne. God is obliged to bless. Oui, Dieu obligé de bénir cette personne. God is obliged to pourquoi? Bless that person. Parce qu'il dit j'honore celui qui m'honore. Because he said that I honor the one who honors me. Fils obéissant. You have je to obey. Pas de qui. Don't qui bénit not obey everybody. The one who honors him. Vous voulez bénir, ok? C'est Canaan. Canaan. Que vos cœurs soient attachés. Your heart has to be tied with me. Il faut que vos cœurs soient attachés. Your heart. Alléluia. Amen. To be tied. Tu veux la supériorité? Do you need superiority? Dieu t'élève. Tu veux t'établir sur ta famille? Tu veux t'établir dans le service que tu es? If you want to be established. Tu veux t'établir dans le family? Tu veux t'établir dans ce mariage? Frère, in wedding, la seule condition, brother, the only condition, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Is to obey the word. Il faut commencer à regarder ton cœur. Est-ce you que tu n'es pas dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Bad things. Si abandon cette voie. You have to give up this si way. Tu constates maintenant parce if que you notice right now la maison de Pharaon, that si you are living in the house of Pharaoh, que tu es dans une chose qui déplaît à Dieu, in something which is not good, qui déplaît pas à Dieu, which does not suit God, tu dois abandonner cette voie. You better start giving up. Amen. Amen. Et c'est là le problème souvent.
That is the problem. On est délivré. We are delivered. On n'est pas prêt à l'obéissance. But we're not ready to obey. Amen. On est délivré, mais on n'est pas prêt à abandonner certaines choses. We are delivered, but we're not ready for obedience. Dieu nous délivre. God is delivering us. Pour que nous puissions faire sa volonté. So that we can do His will. Dieu ne te délivre pas pour servir Satan. God is not, cannot deliver you so Dieu that you can serve obéir à sa parole. To obey His word. Amen. Amen. Or, quand un cœur attaché à Dieu, when a heart is tied to God, décide d'obéir à Dieu, when someone obeys God, écoutez ce que Dieu dit. Listen to what God says. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici les bénédictions que je répandrai sur toi. Here are the blessings that I'm giving you. Et qui seront ton partage. That will be your. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. If you obey to the Eternal. Tu seras béni dans la ville. Amen. You'll be blessed in the city. Tu seras béni dans la ville. You'll be blessed in the city. Même en divo, tu seras béni. Even in divo. Si tu obéis la parole de Dieu. If you obey to the word of God. Tu n'as pas besoin d'aller en France pour dire. You no more need to go in France. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Even in Europe. Dieu commence déjà à te bénir ici à God can start blessing you here. Je prie pour les gens sur le Skype. Okay. I pray for people on the Skype. Mais et après la délivrance. What else? Est-ce que ton cœur attaché à Dieu? Is your heart tied to Jesus? To et après la délivrance, est-ce que ce cœur cherche? After the deliverance, après la volonté de Dieu. Is your car, is your heart looking for God? C'est ça le problème. That's the problem. Dieu dit, il te bénira dans la ville. God said that. He shall bless you. Mais c'est pas la parole de Dieu. Too many people were not following vous avez vos femmes, vous les trompez. Vous avez vos maris, vous les trompez. You are betraying your vous vous retrouvez wives. Dans un état de péché où on a oublié de voler, on a oublié de mentir. On a oublié de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. We are doing things. Je serai retiré de vous. David, lorsqu'il a péché, when David said, en couchant la femme avec la femme du riz, when going quand to Nathan s'approchait de David, another woman, David dit, sa prière ne te retourne pas. He said that his prayer. Il ne m'arrange pas de away from me. Frère, quand tu se retires d'une personne, when God retires, il donne l'esprit de garder moi cette personne. A spirit. Tu rentres quelque part, c'est sec, c'est dur. A bad spirit. Je vous dis, vous êtes délivré, dis amen. I say that you are delivered, say amen. Donc doit marcher. So everything you have to que chacun d'entre nous cherche à obéir à Dieu. A condition that you obey God. Que chacun d'entre nous cherche à obéir à Dieu. All of us have to obey God. C'est ma prière chaque jour. That's my prayer every day. Quand je me mets à genoux, when I need, je lui dis le mauvais crasso s'approche de moi. That the bad crasso comes near you. Aide-moi obéir à ta parole. Help me obey oui, your word. Aide-moi obéir à ta parole. Help me obey your word. Parce que ma bénédiction because my blessing depends on me. Bien aimé. And quand tu obéis à la parole de when Dieu, you obey the word of God, il t'établit même déjà dans la vie. It can establish les gens vont commencer à constater que tout ce que tu touches marche. To that everything you touch succeeds. Ça y est, il a constaté ça. Shall notice that. Quand Dieu s'est retiré de lui, when God retired from et que Dieu avait positionné David, and he gave a new position, il constate que tout ce que David faisait marchait. And he noticed that David réussissait dans toutes ses entreprises. Dieu vient de te délivrer, les chaînes de l'être brisé. Il est en train de te conduire tout droit vers Cana. He's guiding you straight to mais ce que Dieu veut de toi maintenant, but what it is from fait you que now ce cœur soit attaché à lui. Is that your heart dis à quelqu'un, tu as besoin de ton cœur, dis à quelqu'un. C'est tout ce monde qui needs your heart. Nous voulons être délivrés, nous ne voulons pas faire la volonté we de Dieu. We like to be delivered, but we don't do God's will. Alléluia. Alléluia. Or, ce qu'on appelle péché, c'est la désobéissance à Dieu. The sin is disobedience of God. Ce qu'on appelle péché, ça veut dire la désobéissance à Dieu. Disobedience of God. Or, quand tu désobéis à Dieu, tu seras retiré de toi. If you disobey God, it's to retire. Si tu obéis à la volonté de Dieu, la voix de Dieu, if you obey the Lord, the God, Dieu te bénira dans la God ville. Will bless you in the city. Tu n'as pas besoin d'aller en France. I don't need to go in France. D'autres me disent, prophète, mais viens à Abidjan, Abidjan c'est bon. Some people say that you have to come in Abidjan because here tout is ici. You can have everything you need here. C'est vrai que je suis à Abidjan, d'autres m'appellent, prophète, tiens qu'à 5 000. It's good that some people give moi, me money. Moi, je me visite aux gens, ils me donnent 500 000. Even 500,000. D'autres me proposent, mais viens, on va créer l'église. So that we can create a church here in Abidjan. On est prêt. We are ready. Welcome here, here. Moi, je suis là où Dieu me veut. I'm here. I'm in the place je where God wants me to be. De Dieu.
to do God's will. Et Dieu est obligé de me bénir ici à God is obliged. God is obliged to bless me here. Pas Abidjan. In a city. Bien aimé. In this city. Not in Abidjan. Obéir à la voix de Dieu. My beloved, we have oui, to. Oui, cherchons obéir à la voix de Dieu. We have to si obey a été the word of God. If today the enemy is down, Moïse l'a dit, c'est Jésus, ce que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. You'll only see Jesus. Les Égyptiens qui vous terrorisaient. The people. C'est fini ça. We're putting you down. Vous allez tout droit vers Canaan. You are going straight to Canaan. Dans cette bénédiction. And to enter this blessing, il faut un changement de comportement. We need a change of being. Il faut un changement de vie. We need a il faut change que of change. We have to change. Change ton cœur. Change, change. Change, said someone. Change your heart. Pendant que je te parle, cette parole se me concerne. When I'm speaking, changeons de comportement bien-aimé. We have to change. Pour que Dieu puisse nous bénir. So that blessing can, so that God can bless us. Dieu veut délivrer chacun d'entre nous. God is about to deliver all of us. Et que tu te rédis après ici. If you retire. Si tu trouves que tu étais dans un péché, tu es dans quelque chose qui ne va pas Dieu. Va y abandonner cette voie. A sinner, you have to give up that way. Amen. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Do you want God to bless you? Cherchons tous à faire la volonté. Let's do God's will. Pour que nos cœurs soient attachés. Our heart tied to Him. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez chercher à obéir à la voix de Dieu. You have to obey God's will. Quelqu'un cherche à obéir à la voix de Dieu. Cherche à obéir à la voix de Dieu. Si nous obéissons à la voix de Dieu, tu vas voir ton clacot à Dieu. Obey, le clacot va marcher. Amen. You see that everything is succeed. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, if you obey, tu béniras dans la vie. To the eternal way, dans cette ville, va commencer à bless you in the city. Il n'a pas besoin que tu partes en Europe. He doesn't want you to go even in Europe. Tu as commencé à faire un commerce, ça va marcher. You can, les sorciers ne voudront pas gâter ça. Start a trade. Il y a des gens de leur rêve, c'est d'aller en Italie. Many people, their dreams here are, is to go in Italy. Je veux aller en Europe. Ça y est, descend. I would like to go in Europe. C'est fini. Il dit Europe là, hein. J'ai travaillé et vu partir en Europe. Because looking for a job. Many people coming from Europe. You can ask them. But what is happening in Europe? It's difficult for some people to get food. Frère, ce que Dieu demande à chacun d'entre nous, what God wants from all of us is obedience. Of His words. That's all. Si tu commences à obéir à la voix de Dieu, God, il va commencer déjà à te bénir ici à bless you. Il va commencer à te bénir même ici. Il va start blessing you. Il va commencer même à te bénir ici. Il va start blessing you here. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai que Dieu me bénissait. It's true that God I was depuis blessed. Que j'ai pris le soin d'obéir à la voix But de Dieu. Since I started, quand j'ai décidé de following venir God, à Zaroko, d'autres personnes m'ont abandonné. When I started going in Zaroko, j'ai fait 3 mois à Zaroko. I spent 3 months in Zaroko. Je me lavais les peaux, il y a des boutons qui étaient sortis. I used to wash myself there. Ouais. Yes. Et d'autres me mettent la tête pour dire. And some other people. Mais tu es un grand homme de Dieu, tu ne peux pas dans ce village. You are a great man of God. What are you doing in that village? J'ai l'argent ville ici. You have money. You can come here. D'autres m'ont abandonné, m'ont lâché. And some give me up. Même pas aujourd'hui. And let's do it today. My beloved, you have to be in the place where God wants you to be. Amen. Amen. Il faut que ton cœur soit attaché à Dieu. Your heart has to be tied to God. Jésus vient de nous délivrer. God has come. Oui. Jesus has come to deliver us. God is delivering de nous pour nous bénir. What is working for us to bless us for all of us is obedience. Vous voyez, celui qui pêche, pêche contre son âme. The sinners. Celui qui pêche, pêche the sinner, what he's doing c'est is against his soul. C'est pas Dieu. You're not doing good. You're not doing good. Il y a des bénédictions que Dieu va jamais t'accorder. To yourself. To Amen. God, but to Il y a yourself. Des choses que Dieu va jamais te donner. Non. God cannot give you many things. Alléluia. Il va commencer à rendre le territoire très difficile. Difficult territories. Tu vas comprendre qu'il y a l'absence. Tu vas comprendre les difficultés, les choses bizarres. Troubles.
Parce que toi, tu n'as, ton cœur n'est pas attaché à lui. Because your heart is not tied to him. Oh, si ton cœur attaché à l'éternel. That if your heart is tied to him, to the eternal, God bless you. Amen. Amen. Tu seras béni dans la vie. You'll be blessed in the city. Tu seras béni dans les champs. You shall be blessed in the city. Parce qu'on n'obéit pas la voix de l'éternel. It's just because we don't obey the way of God. Mon chant ne donne pas. My feet doesn't work. Parce qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. Because we don't obey God. On ne paye pas la voix de Dieu. We don't obey God's word. On fait ce qu'une. On we fait notre propre volonté. On ne fait pas la volonté de Dieu. We do what. Il dit tu seras béni dans les champs. You'll be blessed in the field. Le fruit de tes entrailles, ça dit tes enfants seront bénis. The fruit of your womb. Alléluia. Shall be blessed. Alléluia. Il dit ici ta corbeille et ta huile seront bénis. Difficult traps will dit, shall be blessed. Tu vas commencer à bénir. L'argent ne pourra plus te manquer. Even you get money. Pourquoi? Every time. Parce que c'est à lui qui appartient l'or et l'argent. Because money and gold belongs to God. Tu fais sortir de l'esclavage et vous te laissez comme ça. So, or, quand tu te fais sortir you from slavery for nothing. De l'esclavage, if he put you out from te dit, frère, the chains of slavery, sir, maintenant ce que j'attends de toi, this is what he's going to ask from you. C'est que tu t'attaches à ma parole. You have to be tied to my word. Parce que je suis prêt à te bénir. Because I'm ready to bless. La seule condition pour que Dieu bénisse une personne. The only condition for God to bless décide one, when d'abandonner le péché, the person decide to give up the sin, et de s'attacher à Dieu, and be tied et to abandon the Lord. Total à la volonté de Dieu. Then to be totally free to God. C'est pas facile. It's not easy. Mais ça paye. But il y a la bénédiction derrière. Blessing. Alléluia. Alléluia. Amen. We say amen. Il dit tu seras béni à ton arrivée. Ça dit, you shall tu be blessed. La bénédiction est là. Wherever you arrive. Tu seras béni à ton arrivée. You shall be blessed Dieu in your arrival. Personnes, va disposer des personnes God pour te will bénir. Give you tu seras béni blessed à ton arrivée. So that you can be blessed. Ah, je suis arrivé, in ça ne marche pas. Mais parce que tu n'obéis pas la voix de Dieu. Simply because you do not obey. Parce que ton cœur n'est pas attaché. Because your heart is not tied to God's way. Amen. La Bible Amen. Dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit pour The Bible elle. Said that. Elle ne fait subir de tel chagrin. C'est lui qui a l'éclair de la I cannot obéir sa parole. Il disposera If I obey gens. God's will. Il envoyait un oiseau, un corbeau béni Élie. Au moment où il y avait la sécheresse, c'était difficile. Dieu va envoyer un oiseau, God brought un corbeau, envoyer le petit déjeuner, le déjeuner de midi, le dîner à Élie. To break me a breakfast, si tu obéis à sa voix, if il you obey, suscitera des gens pour te bénir. He can even bring people to help you. Il dit si tu seras béni à ton arrivée, dès if que tu arrives, when you arrive, tu as l'impression que tout marche. Everything works for you. Aux gens. Vous partez d'une manière bizarre en Europe. Yeah, sometimes people go. La corruption, les fraudes. Bad way parce qu'on habite allé en Europe, on fait toutes sortes de choses. Through corruption. Vous arrivez sur le territoire, vous n'allez jamais bien. And then, if you arrive in that territory, you'll know more success. Vous changez de nom, on prend l'identité de notre personne. Names. Le passeport d'une autre personne. Our on met l'argent pour corrompre les gens. And then money to corrupt people. Vous pouvez jamais être béni. How can you be blessed? Vous allez sur le territoire, vous constatez que c'est difficile. And then, when you arrive there, you notice that it's difficult. Yes, parce what que you have to look for is the way you arrive in that Alléluia. Place. Parce que quand tu es dans quelque chose, tout marche. Because when tu God seras béni à ton arrivée, everything, dès que tu arrives, tu es béni. As soon as you arrive, dès que je suis arrivé, c'est difficile. Since I arrived, parce que Dieu ne t'a jamais accompagné dans ce voyage. It's difficult for me. Il ne t'a jamais conduit Simply dans ce voyage. Because il n'a jamais été avec toi dans ce voyage. God, never with you. Vous savez, c'est Dieu qui ouvre les portes. God is the one who can open. Nous avons combattu l'ennemi. Dis amen. We have fought the enemy. Say amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous combattu le diable. We all have fought the enemies. Le diable sait que aujourd'hui là tu l'as vu. The devil knew that. La semaine beaten. Là, c'était une semaine de combat. Last week, on a écrasé le diable. A week of fight. On the l'a devil brûlé. Was fought. On l'a brûlé. It was burned. Maintenant c'est la bénédiction. Now it's a blessing. Elle est conditionnelle. That's conditional. Dieu regarde ton cœur. God is looking at your heart. God is watching your heart. Are you ready to work with him? Si oui, dès que tu sors ici, que tu arrives là où tu es quitté. If you go out from that place, tu vas commencer à te bénir. Il dit tu seras béni. If you're ready, et tu seras béni. If ready your heart is tied, tu arrives tu es béni. To God's word. Amen. Il n'y a pas un territoire difficile.
There is no difficult treatment. Si Dieu est avec vous, qui sera donc contre vous? God is with you. Pourvu que Dieu soit avec toi, c'est tout. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. On dit amen. We say amen. Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? Listen to the God's word. Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? Listen to God's word. Amen. Écoutez la parole, écoutez, c'est dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Quand tu commences à obéir à la parole de Dieu, enemies. Dieu est obligé de donner la victoire sur tes ennemis. Est-ce qu'on m'a bien écouté? Quand tu commences à obéir à la voix de Dieu, when you start obeying God, Dieu commence à te donner la victoire. Your enemies are defeated. Quand tu commences à t'éloigner de Dieu, when you are starting going far from God, Dieu délivre tes ennemis. God can bring la Bible dit, si Dieu approuve la voix de quelqu'un, il dispose même ses ennemis en sa faveur. On perd le combat parce que nous-mêmes sommes. We lose fight because we don't follow God. Les petits sorciers nous attrapent. On nous transforme en gazelle. Sorcerers. Parce que le cœur est éloigné de Dieu. Changing ourselves. Le sorcier fait marcher ou fait jump-gain. Go sometimes to the market. Parce que le cœur est éloigné de Dieu. On est because plus. Our heart is far from God. Souvent les gens disent, mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que ton cœur n'a jamais été avec Dieu. Oh, la Bible dit que l'ange et l'éternel campent au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. We'll take them away from the danger. Amen. L'ange et l'éternel campent au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Are going to take you away from the danger cherchons if you follow God. What we have to do is to do God's will. Il y a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. Say to someone, try doing God's way. Say to someone, try doing God's way. Deutéronome, le chapitre 28, chapter le verset 28, le verset 7, dit, l'Éternel te donnera la victoire sur verse 7, the Lord, qui s'élèveront contre toi. Il y a des gens qui sont lidés contre toi. The Lord will cause your enemies. Et il médite ta perte. Il fait ta chute. Mais bien aimé, la seule chose que Dieu fera, my beloved, c'est-à-dire the only thing God ta can do, position, c'est ce que la position que Dieu va regarder d'abord pour mettre tes ennemis en plat. Amen. Amen. C'est ça que David était clair l'année suite quand that's vous avez dit le psaume 74. C'est ce psaume-là qui m'aimait beaucoup. Oh, I really like too much. That's what, Psalm. Avec Dieu. With God. Est-ce que quand tu sors, est-ce que tu penses que Dieu a l'œil sur toi? Do you think that God is, quand tu poses une has his eyes upon you? Tu penses que Dieu te voit ou pas? Do you think that God is looking est-ce at quand you? Tu vas quelque part? When you go somewhere, tu cherches à faire la volonté de Dieu ou ta volonté? Trying to do God's will. Si tu cherches à plaire à Dieu, are you trying to please God? Il donnera toujours la victoire même si les he'll give you all every day the victory over your enemies. Où les gens échouent, toi tu ne chieras pas. Where people will fail, you no more fail. C'est ça que David dit, avec Dieu nous ferons des espoirs. Regardez, God, dans le même verset 60. Le verset 14 dit, il écrasera nos ennemis. And then put down our enemies. Il écrasera nos ennemis. And put down our enemies. On veut que Dieu nous protège, ok? We want God to protect us. Mais nous ne sommes pas prêts à faire la volonté de but Dieu. But we are not ready to do God's will. Nous ne sommes pas prêts à faire la volonté de Dieu. We're not ready. Et par moments on accuse les gens. And sometimes, les gens ils disent juste son rôle. We accuse people. Lui il est là pour manger la chair. For nothing. Amen. On l'appelle manger d'âme. We call some other people sorcerers or witches. Il est là aussi pour manger. Ready to si deal. Toi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, if you're not in God's will, tu es exposé au diable. You're exposed to the devil. Il va te manger. He will kill you. Or, si tu obéis la volonté de Dieu, if you obey God's will, il donnera la victoire sur ses he'll give you victory over your enemies. We have to please God. We have to do God's will. We have to start going far from everything we do not suit God. God has come to deliver you. Go far from everything that. If you go away from here, if you go out from here, if you have some, you have to stop. You better stop. If you used to who other people's husbands? Oui. À you have to stop. Si avais l'habitude de chercher femme des gens, if you used to look for other people's wives, faut commencer à abandonner tout ça. You have to stop. Vous dites, désormais, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. To say that God, je suis prêt à faire ta volonté. I'm ready to do your will. Amen. Amen. Ta volonté. Your will. Jésus-Christ.
Jesus Christ. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose facile. But no, God's will. Même Jésus a vécu ça. Even God. C'est ça l'appel l'obéissance. Il faut faire ce que Dieu veut. Live what God's will. Oh, ce que Dieu veut n'est pas facile à supporter par moment. What God wants is not sometimes easy. Mais il y a une bénédiction dedans. But we have blessing. Jésus dans le jardin de Gethsemane a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. If moi, all those people ce que je veux, je ne veux pas. Far mais, from me. Mais que toi ta volonté soit faite. But c'est que may your veux, wish que be done. Or, dans cette volonté de, Dieu dans le jardin, in that wish of God, j'avais Gethsemane et la croix. Garden, j'avais la croix d'humiliation. There was the cross of humiliation. Il peut y avoir pour moi des moments de faim parce que tu vas te séparer de quelqu'un. You can be separated. Tu avais l'habitude de donner l'argent. Someone who used to give you money. C'est le mari du. But the husband of et Dieu t'appelle à se séparer de tout ça. God wants you to be separated from that. L'obéissance paye. But obedience pays. Amen. 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 L'obéissance paye. Obedience pays. Nous avons vécu des moments de retraite. We have lived difficult moments. Avec le diable. Fighting with the devil. Nous avons détruit le pouvoir de Satan. We destroyed the actions of the devil. And prophetical actions. Ce qui nous attend, c'est la bénédiction. What is waiting for us is blessing. Pour rentrer dans cette bénédiction, to enter this blessing, il faut que ton cœur soit à lui. Your heart has to belong to God. Celui qui pêche contre son âme. The one who sins sins against Dieu, himself. C'est pas à Dieu. You're not sinning against God. Amen. C'est pour ça que vous allez voir dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église qui sont pas bénis. That's why you're going to see. Notice. Some people come in churches, but they are not blessed. Amen. Tu combats. You fight. Après le combat, il faut que tu changes de position. But after a fight, you have to change your position. Tu dois changer de manière de voir la vie. Your way, the way of seeing life. À faire la volonté de Dieu. And doing God's will. Et ça doit l'objet de la prière de chacun d'entre nous. This must be the object of everyone prayer. Moi, tous les lundis. Every Monday. Je planifie des choses pour dire I Seigneur. I plan my program. Je vais faire ta to say the Lord, I would like to do your et will. Et ce qui m'arrive à faire souvent, ce que tu ne veux pas. What? I used to do. Aide-moi à faire ta volonté. You have to help me do your will. Je suis un homme. Aide-moi à faire ta volonté. I'm a man. Help me do your will. Je sais que si je fais ta volonté, I know that if I do your will, toi là-haut, tu envoieras des milliers de bénédictions sur moi. You'll give me blessing. Frère, la volonté thousands of blessing. Brothers, décide de changer. Decide. Ne soyez pas des religieux. Les gens qui viennent à l'église et qui suivent des don't gens. Don't be simple religious. Toujours en train d'étendre la main aux gens. Always. Asking for money. Toujours entendre mon Dieu. Always asking. C'est ce que la Bible dit que ne cherchez d'abord le royaume des cieux. That's why the Bible says you have first of all to look for the. Cherchons le royaume des cieux, sachez. God's kingdom. Tout ça c'est les païens. Tout ce que Dieu veut de toi c'est le royaume. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. The kingdom of God and justice of God. Oui, le royaume de Dieu c'est la justice. Justice. Dieu est capable de susciter un corbeau pour te bénir. God can even bring someone to bless you. Pourquoi c'est toi toujours en train d'étendre la main aux gens? Why always asking? C'est toi toujours qui a problème d'argent. Every day problem toujours of money. Toujours c'est toi qui a problème d'argent. Every day problem of money. La Bible même dit là, ça, dans Jésus dit dans Matthieu. The Bible c'est says. C'est toi les païens qui recherchent tout ça. Even in Matthew. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est de chercher le royaume. What God wants from you is to look for the kingdom of God. Oh, c'est ce que tu ne fais pas d'ailleurs. C'est ça que Dieu ne te bénit pas. That's why God is not blessing you. Tu ne cherches pas le royaume. You're not looking for God's kingdom. Tu ne cherches pas à Dieu. It's not. You're not looking for God. That's why He cannot bless you. C'est pour ça que tu es toujours humilié. That's why you are always humiliated. Face à un combat, c'est toujours toi qui perds le combat. Always fighting, but you are always defeated. J'ai l'impression que c'est le diable. You have the impression that it's the devil. On est dessus dans ce combat. Over, coming over you. Cherchons à plaire à Dieu. Let's look for God's will. Il y a quelqu'un cherchant à plaire à Dieu. Say to someone, you have to place to God. Cherchons à faire la volonté de Dieu. You have to do God's will. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un cherchant à faire la volonté de Dieu. Say to someone, we have to do God's will. Regardez le verset 8. Il dit, l'Éternel. Even the verse 8. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est pas toi qui courras derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui va te poursuivre. Alléluia. Il ordonnera la bénédiction d'être. God will order blessing to come near you. To you. Amen. Quand tu commences à obéir à la volonté de Dieu, Dieu est obligé de te bénir. Il se sent dans l'obligation de te bénir. Il se sent dans l'obligation de te donner mari. To bless you. Il se sent dans l'obligation de donner femme. He's obliged to give you a wife. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'esprit du célibat.
par l'esprit, tu veux être délivré. The spirit of celibacy. Tu as envie de te marier. You like to get married. Tu veux commencer à obéir à la voix de Dieu. You have to follow God's will. Amen. You have to obey. Tu dois envoyer l'homme ou la femme de ta vie. So that God can bring you the man of your life or the woman of your life. Bien aimé, cherchons à faire la volonté de Dieu. Let's try to do God's will. Si nous voulons aller très loin, tout if we want to go ahead, celui qui joue avec le péché, the one who is joking with the sin, is sinning. L'ennemi aura toujours raison sur lui. Then the enemy will always be over him. Oui, l'ennemi. Yes, the enemy. Alléluia. Alléluia. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Il ordonne. God will order the blessing to be with you dans toutes tes entreprises. In everything you do. Le verset 9 dit, the verse 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Ça c'est important. The Lord will establish you as pour l'Éternel un peuple saint. Only people. Comme il a géré. As he's won to you. Vous savez, en tant que chrétien, il y a une alliance qui nous lie à Dieu. As a Christian, we have an alliance. C'est l'alliance d'obéissance. Obedience. Amen. 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 Oui. C'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. That's God want from all of us. Alléluia. Comme il a même géré, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. C'est-à-dire, ta vie doit être toujours sanctifiée. Chercher chaque jour. Your life must be sanctified. Après la volonté de Dieu. And doing God's will. Alléluia. Amen. Et regardez ce qu'il ajoute, le verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Amen. All the peoples on the earth shall see that you are called by the name. L'ennemi va commencer à te craindre. À l'image de David. Ça y est, il a commencé à avoir peur de David. Parce qu'il sentait que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Like the history of Saul and Moses. Ne brisons plus cette alliance. We do not have to break. Nous avons eu des moments de combat spirituel. We have a time of Dieu nous a exaucé. Amen. And God give us victory. Alléluia. Dieu nous a exaucé. Dieu vient même de briser les chaînes. God is now breaking the chains. So that you can go away from celibacy. T'as sorti du célibat. From celibacy. Tout ce qui attend de toi. Ne sois pas what is waiting chien. From you. Don't do like the dog. Ce que Dieu attend de toi. What God is expecting from you is waiting from you. Is obedience. N'oublie pas que Dieu dit j'honore celui qui m'honore. Don't forget that God is saying that j'honore I honor celui qui m'honore. The one who honors me. C'est Dieu qui appartient à la victoire. Victory belongs to God. Dieu s'attache une personne. God is with people. Un abandon total à Dieu. C'est-à-dire tu fais la volonté de Dieu. You have to give your body to God. Quand tu commences à obéir à la volonté de Dieu, and starting obeying, tu sens l'obligation de te bénir. And after that, you will find to bless you. Il va commencer à protéger ta maison. He can start protecting your house. Éloigner ta maison de la maladie. And il va commencer your house à éloigner des difficultés. From difficulties. Ça arrive parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as tourné dos à Dieu. This can happen because in your life you turn your back to God. Ce que Dieu attend de nous. What God is accepting from us. C'est de faire sa volonté. Is to do His will. Est-ce qu'on est prêt à faire la volonté de Dieu? Are we ready to do God's will? Souvent les prêts, nous sommes prêts à combattre, nous sommes prêts à chasser les démons. Sometimes we are ready to fight. Nous sommes prêts à attaquer la sorcellerie. But fight to. Mais l'étape de l'obéissance. To fight witchcraft, nous ne sommes pas prêts. But for obedience, we're not ready. C'est ce que nous allons faire. That's what we're gonna do.